Et ça, c'est notre table de Noël, avec thème de Noël. Dans l'assiette, vous verriez, c'est la maison de Père Noël. Et là, il y a ça. 4 cuillères, 2 cuillères, couteau, fourchette. Même les fourchettes, c'est le thème de Noël. Tout est là, c'est le thème de Noël. Voilà. Alors, je vais tourner pour vous montrer. Vous voyez la table. C'est ça. Il y a trois verres, le verre de l'eau et celle de vin et le champagne. Et là aussi, devant vous, il y a la bouteille de champagne. Voilà. Comme ceci. Voilà. Les petites serviettes, c'est toujours dans le thème. Voilà. Dans le thème. Les assiettes, c'est toujours aussi dans le thème. Et les bougies avec le Père Noël, c'est toujours dans le thème. Thème de Noël. Noël, Noël. Bon, c'est ça. J'ai mis deux sortes d'assiettes rouges et voilà. Vous voyez? C'est ça. Voilà. Alors, je vous souhaite bonne fête de Noël. Malgré nous, on avait précédé chez ma fille, mais je ne voulais pas laisser mes loves, alors j'ai présenté ça. Je vous dis bonne fête de Noël. Que Dieu nous donne la santé. Que Dieu nous protège au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vous souhaite bien de choses à vous. Que Dieu nous garde. Bisous, bisous, bisous. Bye, oh! Bonjour, bonjour. Bonjour, les mamies love. J'espère que vous allez bien par la grâce. Moi, je vais bien grâce à Dieu. Alors, je vous souhaite joyeux Noël. Aujourd'hui, on est le 25. Hier, on est parti manger chez ma fille chérie. On a mangé là-bas. Alors aujourd'hui, après, il m'a dit, maman, est-ce qu'on peut faire un petit truc pour qu'on vienne popoter un peu chez toi? Nous, on va amener les entrées et les sorties. Donc, moi, je ne peux pas vous présenter ce qu'eux, ils vont amener. Ce que moi, je vais faire, c'est celle-là que je veux vous présenter. Donc, sans plus tarder, Mamiso, après, je vais vous montrer les assaisonnements parce que je savais que ça va finir comme ça. Donc, quand on est rentré à 2h du matin, j'ai tout fait comme assaisonnement. Vous voyez ça, on appelle ça de... Ah, Mandegami Kyo, comment on? Des cailles, voilà. J'ai fait 4 cailles parce que j'ai quelqu'un qui aime des cailles. Il y a des personnes qui... J'ai fait des cailles et des pilons. Voilà. Et là... Et là...
j'ai fait des brochettes. J'ai pris 2,5 kg de brochettes et le crevette. Et les crevettes, je vais faire ça na rotumba. Voilà. Et il y a les makemba, accompagnement. Et il y a les chikwang. Et je vais faire un peu de makayabu que j'ai mis dans l'eau. Parce que tout, je l'ai fait sortir, mais voilà, ça c'est la sauce que j'ai assaisonnée. Et cette sauce, j'ai mis. Et dans cette petite sauce que j'ai assaisonnée, le brochette, les cailles et des pilons, j'ai mis les cébettes qu'on appelle ndembi, un bouquet comme ça de l'oignon. Non, j'ai mis l'oignon, les cébettes, un bouquet comme ça d'ail et quoi encore, gingembre et l'équipe, l'huile, quoi encore, poivre noir. Parce que je ne pouvais pas faire ça devant vous, déjà j'étais fatiguée. Alors je fais quand je suis rentrée et je l'ai laissé. Et là je vous montre. Et je vais vous montrer que ça, en final. Tout ce qui est l'entrée, sortie, je ne vous montrerai pas parce que ce n'est pas Mamiso qui a fait ça. Moi je vous montre que ce que Mamiso a fait. Maintenant, on doit commencer. Ça va cuire. Les poulets avec des cailles, ça va cuire dans le four. Les crevettes et les brochettes, je vais mettre dans un truc là que vous connaissez. Et à tout de suite. Mes loves, je suis en train de faire les brochettes avec le crevette. Voilà. Ça va finir bientôt. Et là, il y a le banane plantain et les épinards pour saucer. Dès que j'ai fini, et je vais vous montrer comment on va faire un autre service. À tout de suite! Mes loves, on a tout fini. On a dressé ça ici. Et là, au coin, il y a les brochettes, et là il y a les chikwang, et là il y a nos poulets. On va pousser, et là il y a nos cailles. J'ai fait ça en vertical, et là il y a nos brochettes, il y a nos brochettes de crevettes. Là, il y a nos bananes plantain. Là-bas, j'ai présenté les chikwang. Et là, il y a les épinards pour saucer. Voilà. Donc, tout est là. Je vais maintenant faire comme ceci. Vous voyez? Alors, un peu de décoration, ça fait du mal à personne. Voilà. Alors, c'est ça quoi. Voilà.